Bonjour, je m'appelle Thibaut Martinage et je suis technicien formateur chez AES Environnement. Par exemple, au bout d'une ou deux douches, vous avez la sensation que vous n'avez plus assez d'eau chaude dans votre ballon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que votre pompe à chaleur n'est pas faite pour faire de l'eau chaude en instantané. Elle fonctionne comme un ballon d'eau chaude. Si vous consommez beaucoup d'eau quand vous prenez une douche ou lorsque vous prenez des bains, il se peut que vous vidiez rapidement votre ballon d'eau chaude. Généralement, il faut à peu près une heure pour le recharger complètement. Alors essayez d'espacer vos douches ou consommez moins d'eau chaude est la meilleure chose à faire. Si en revanche, au bout de quelques minutes seulement, vous avez de l'eau froide qui arrive, là c'est peut-être un problème de réglage, n'hésitez pas à nous appeler, nous vérifierons ça ensemble. Une des autres questions est, je n'ai pas assez de débit au niveau de mes robinets, est-ce que c'est normal? Alors, la pompe à chaleur et la distribution du réseau d'eau chaude, c'est deux choses distinctes. Il se peut que votre robinet fonctionne mal ou que les mousseurs soient encrassés, à ce moment-là, il faut le démonter et essayer de les nettoyer. Ou peut-être que le réducteur de pression à l'entrée de la maison est trop fermé, à ce moment-là, il faut voir avec le plombier pour qu'il règle votre réducteur.